Je porte jamais de col roulé. Je ne porte jamais de collier. Je ne porte même pas de collier, Françoise. Je peux pas jouer avec un jabot. J'ai l'impression d'avoir un goitre. Pourquoi faut-il que Pilar soit coincée comme ça? Je suis une femme séduisante, Françoise. Je suis une femme qui séduit un bel homme veuf qui a toutes les femmes qui pépillent autour de lui. Enfin, vous savez bien qu'un homme, à partir d'un certain âge, a l'embarras du choix. Pour moi, une femme qui va à son premier rendez-vous dans cette tenue a perdu la tête, Françoise. Je vous le dis franchement. Je les connais, tes discours. Hein? Tu me les as déjà dit 10 fois, non? Qu'est-ce qui a changé, là, maintenant? Comment je peux croire qu'aujourd'hui, tu vas changer? Mais elle s'est disputée avec Adrien, elle est partie, elle veut plus le revoir. Hé, ça fait 4 fois ce mois-ci. Non, mais cette fois, ça a l'air sérieux. Mon cul, ouais, elle va juste nous cacher la soirée. Mais je vais pas la laisser dormir dehors, quand même, c'est ma sœur. Et moi, je suis ton fiancé, ton petit ami. Écoute, elle en a pas l'air, mais elle a besoin de moi. Elle est vraiment mal ce soir. Ok, je comprends. Mais je suis vraiment obligée de faire ça ce week-end. D'accord, ok, je m'en occupe. À lundi. Bon, faut que je repasse rapidement au bureau chercher un dossier. Comme tu vas pas me laisser tout seul avec ta soeur. Et j'en ai pour 20 minutes. Promis, je me dépêche. Et toi, sois sage. Je suis toujours sage. Non, mais c'est parce que ça peut pas être... Attends une seconde. Ne me dis pas que ma soeur est là-dedans. Quoi? Mais comment veux-tu qu'elle soit là-dedans? J'hallucine. Je te surprends à moitié à poil au milieu du salon et tu continues à me mentir? Il a fallu que tu continues à taper ma soeur dans mon dos. Emeline, sors de là, je m'en fous que tu sois à poil, j'ai un mot à te dire aussi. C'est toi? Quoi? Je m'appelle. Mais qui veux-tu que ce soit? Mais je regrette, je voulais pas te mettre dans l'embarras. Ouais, t'aurais pu me prévenir au moins. Tu permets? Non, pas la bague. Ah, mais j'en ai besoin. J'y tiens trop. C'est un cadeau. Bon, le chemisier aussi me convient, mais je vous suggère juste, à la place du col Danton, un petit col Claudine. Un mi-chemin entre le strict et le féminin. Françoise. Essayons de ne pas être chacun pour soi. Pensons au théâtre. Pensons à Pilar, pensons à Fernand, à leur maladresse, à l'amour qui s'installe par touches bancales.